Bonjour à tous les vierges, bonjour, comment allez-vous les vierges? Je vous souhaite tout le bien et je vais vous donner l'horoscope en général, l'horoscope général pour le signe de la Vierge pour le mois du novembre 2012. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, deux éclipses vont se passer pendant le mois du novembre. La première éclipse se passe dans votre troisième maison, la maison de la communication. C'est une maison que les vierges normalement aiment parce que en général les vierges peuvent communiquer très très bien. Et ça se passe le 13 du novembre dans le signe du scorpion. Donc c'est vraiment le moment pour peut-être changer quelque chose en ce qui concerne votre communication pour le faire un peu plus profond peut-être. Donc ça c'est très très bon pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore il y a une éclipse lunaire dans votre dixième maison. Donc quelle est la différence? L'éclipse solaire, c'est le soleil qui va être conjoint avec la lune. Mais l'éclipse lunaire, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Donc le soleil est dans votre quatrième maison et la lune est dans votre dixième maison. C'est la maison de la carrière, c'est la maison de la profession. Donc peut-être pour beaucoup de vierges, ça va être un moment un peu émotionnel en ce qui concerne votre profession. C'est pas mauvais, mais ça veut dire que peut-être on va réfléchir et on va dire en ce qui concerne mon travail, je dois être un peu moins émotionnel peut-être. Et c'est une culmination. Donc très intéressant pour les vierges. Je vous souhaite un bon mois avec les éclipses, deux éclipses dans le mois du novembre, et je vais vous revoir. À bientôt.